En première instance, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, FFR, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption. Ce jeudi 22 décembre, à l'issue d'une réunion avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, l'ancien secrétaire d'État a été sommé de se mettre en retrait de la présidence de la fédération. Ainsi, ce vendredi 23 décembre, au micro de RTL, la ministre a certifié : « Je pense qu'autant au début il était un peu dans le déni. Mais, il a compris qu'il fallait arrêter. » En effet, pour l'ancienne tenniswoman, cette mise en retrait n'est pas suffisante. Quand je l'ai vue hier, je lui ai demandé toute une série de garanties à l'effectivité de cette mise en retrait. Point, j'ai besoin de comprendre très précisément la liste des instances auxquelles il ne participera plus, a-t-elle développé. Toutes ses prérogatives, soit, désactivées. Supérieur à supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne train un bain de sang pour l'heure, la priorité est donnée à une sortie de crise rapide car il y a une Coupe du Monde à préparer dans 8 mois. Amélie Oudéa-Castéra a assuré, on ne peut pas se permettre d'être dans des tergiversations pendant des mois avec un bain de sang dans cette fédération. Dès lors, le sujet est qui prend la barre et dans quelles conditions, a-t-elle conclu. Pour rappel, Bernard Laporte a interjeté appel de la décision. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo. RTL Matin, RTL.